Women here in Brazil do the same tasks as the men. So I think they are warriors too. At least that's how I feel. I fight hard for my life, for the lives of my children. The wages depend on how much can you cut. If you don't cut anything, you don't earn anything, right? So it all depends on the cutter, see? And the rest of life, apart from cane cutting, is none too easy. It's tough, right? When you get to the supermarket, the going is still hard. I believe technology is fantastic, but I believe the technology is fantastic is really used for the whole community. It's not a technology just to produce revenue for small people in the world. When we begin to see that a massive number of workers begin to lose jobs and a lot of sector of industry begin to disappear, begin to modernize, adapt in another way to produce, and begin to imagine that was a moment to do a story about all this change that was going in the world. From now on, I think there isn't going to be any other type of work available apart from the cane. I think that they will finish with the machines and put the people to work, because otherwise the people will be out of work and the machines will stay, won't they? I think that's the problem. I still think that the worker does a better job. Better than the machine, you know. It always leaves a taller stump, right? It scrambles the tip. But the worker, no, he's fastidious in what he does. He's got used to it. So, I mean, he has come to love the work he's doing. While the machine has no way of loving at all, has it? It just carries on baling. So I think that the worker has a better chance to get the job done properly than the machine. What does she think if a book like this costs $120? Você sabia que livro como esse aí custa $120, que é mais ou menos 12 milhões? Que você acha? Muito dinheiro, né? A lot of money, right? What more can I say? La photo, on prend avec sa culture. Je prends mes photos sûrement avec mon père, avec ma mère, avec mon village au Brésil, avec tous mes amis. Je prends ma photo à la fin avec mon idéologie. Je suis né dans une petite ville à l'intérieur de Minas Gerais. On dit que les gens de Minas Gerais, c'est tous ceux qui portent un canif et qui sont nés proches d'une ville. Donc je suis né proche de ma ville, dans un petit village qui devait avoir 200 habitants et qui continue à avoir 200 habitants peut-être jusqu'à aujourd'hui. Et mon père avait des fermes d'élevage, comme il l'a jusqu'à aujourd'hui. J'étais très jeune, j'étais très petit, je venais de la capitale de mon état. C'était un voyage très long, c'était un voyage qui faisait presque 30 heures. Et on sortait de ma ville et les soirs, on voyageait toute la journée, on passait toute la nuit en voyageant en train parce que c'était pas des trains très rapides non plus. Et je passais, j'étais très petit, je passais dans une région qu'on appelle la vallée de l'acier au Brésil. C'est dans ma province, l'état de Minas Gerais, c'est un état grand producteur de minéral de fer. Et c'est à côté de ces grandes mines des gisements de fer qu'on a construit énormément d'aciéries, beaucoup d'aciéries. Et ça, j'ai resté profondément touché parce que je vis. Parce que pendant la nuit, on voyageait, et c'était des trains en couchette, des lits. Et je ne dormais pas la nuit en regardant par la fenêtre ces mondes de production, des feux incroyables, des cheminées qui crachaient des feux partout,
des hommes, on pouvait envoyer les hommes qui travaillaient parce que les trains passaient très proche de ces aciéries, autour de ces hauts fourneaux, de ces fleuves de magma qui passaient. Et ça m'a impressionné de manière incroyable. Je ne pourrais jamais imaginer, en venant de ma petite ville, la première fois que je vis, qu'il y avait des hommes qui travaillaient autour de choses tellement importantes, tellement grandes, tellement presque religieuses, n'est-ce pas? Parce que je voyais ces grands fleuves, des feux dans ces immenses bâtiments qui ressemblaient plutôt à des cathédrales. Et je voyais ces hommes presque comme des prêtres qui ouvraient dans cet univers de feux et de fumée et des nuits. C'était un univers de beaucoup de pouvoir, de beaucoup de force. C'est de là que je pouvais comprendre d'où venaient les couteaux, n'est-ce pas? D'où venaient les canifs. I work in steel in France and Ukraine. Both of them had the idea that were the base, the center of the industrial production. When you build any kind of machine, you need steel. Is the main composer of a car when you build a car. When you build majority of things that we have in our consumption society, you need steel. Tranche au pied, tranche la gueule, tranche au dos, tranche tout. Et c'est dangereux encore en plus. I have the privilege not to work too heavy because black and white, we don't need that much cameras, that much flash, that much light, that much tripod. And what I do, I bring the street cameras normally with a 28 millimeters, M Leica with a 35, and another reflex Leica with a 60 millimeters, that's a macro lens. I have another lens always with me. I don't use that much, but I have, it's a zoom lens, that if I cannot be close to the subject, sometimes I use, but probably 2 or 3% of my picture I do with this, but I have with me. I know when I put a zoom in the camera and I try to get a picture, it's because I'm not inside my subject, I'm completely outside. I'm not turned inside the pictures, I'm not concentrated enough.